Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'FNA TV. Au sommaire, retour sur la première journée de Ligue 2, Bordeaux, après une semaine agitée, recevait Valenciennes, Niort se déplaçait à Annecy et Pau jouait à Guingamp. Reportage à venir sur l'été agité des Girondins de Bordeaux qui évolueront bel et bien en Ligue 2 cette saison. Dans l'actualité également, les clubs de National 2 se préparent pour le début du championnat le 20 août prochain. David Giguel, l'entraîneur d'Angoulême Charente FC, sera notre invité. On prendra la direction de Royan où le FFF Tour a posé ses valises pendant 2 jours pour mettre à l'honneur le beach soccer. Nous irons en Corrèze pour découvrir la section féminine de Saint-Pantaléon de l'Arche, créée en 2009 et qui ne cesse de grandir. Et enfin, le portrait de la semaine sera consacré à Erwan Lanuzel, le jeune coach de 33 ans de Bergerac-Périgord, qui a une belle cote de popularité et un avenir tout tracé. On commence avec la première journée de Ligue 2 qui a débuté samedi. Les Chamois Niortais se sont imposés 2-1 chez le promu Annecy. Les buts niortais sont signés Yanis Merji et Bilal Boutoba sur pénalty en première période. Le club des Deux-Sèvres commence bien ce championnat. Le Pau FC était en déplacement à Guingamp. Les Palois n'ont pas pu résister. Déjà mené 3-0 à la mi-temps, Pau s'est incliné 4-0. Nguyen Quang Hai, le Messi vietnamien, est entré en cours de match mais n'a pas pu inverser la tendance. Il faudra réagir dès samedi prochain pour les Palois face à Dijon. Après une semaine plus que perturbante, Bordeaux recevait Valenciennes samedi avec un public venu en nombre. La fête dans les tribunes, mais pas sur le terrain. Avec très peu d'occasions, les deux équipes se partagent les points. Match nul 0-0. Un bon point au vu du contexte pour Logan Delaurier-Chaubé, attaquant des Girondins. Bah déjà, c'est un point qui fait du bien. Après, bon, c'était mes débuts. Je suis content parce que jouer au Matmut, c'est pas donné à tout le monde. Et avec les supporters, ça nous donne forcément beaucoup envie de jouer et j'étais content d'être là aujourd'hui. Et après, on prend un bon point qui fait du bien. Maintenant, va falloir confirmer le week-end prochain à Rodez et voilà. Après, il faut regarder le point de vue collectif et on a pris un bon point et ça a fait du bien. Après, c'est un autre niveau, une autre intensité, mais c'est bien. En vrai, j'aime bien. Ouais, ça fait plaisir parce qu'on se connaît tous et on voit que la formation marche bien. Et on est content de jouer tous ensemble, ça fait plaisir. Le calendrier pour la prochaine journée de Ligue 2 concernant nos clubs de la région, vous le voyez, Pau recevra Dijon, Niort accueillera Bastia et enfin Bordeaux ira défier Rodez. Ces 3 matchs se dérouleront samedi à 19h. Les Girondins de Bordeaux évolueront donc bel et bien en Ligue 2 la saison prochaine. Retour sur un été agité et une préparation bouleversée. Entre angoisse et espoir, reportage avec Florian Sabatier. Après une rétrogradation officielle sportivement en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux n'ont pas vécu un long fleuve tranquille pour préparer l'exercice 2022-2023. Le point d'orgue de ce dossier est sans aucun doute le passage à la DNCG le 14 juin dernier. Le gendarme financier du football français proclame une rétrogradation administrative des Marinés Blancs en National 1, faute de garantie financière de la pérennité du club en Ligue 2. Tout va s'accélérer quasiment un mois plus tard puisque cette même DNCG confirme lors de l'appel la descente en National 1 du club au scapulaire. Pendant ce temps-là, Bordeaux démarre sa préparation avec une victoire en amical contre Rodez dans un climat pour le moins insoutenable. Mais l'entraîneur David Guillon fait front. Au niveau des... Moi, je suis totalement focalisé sur la reprise, je suis totalement focalisé sur le travail. Vous savez que c'est une période très très... importante dans la vie d'un groupe, la préparation de début de saison. Donc ma concentration elle est totalement tournée vers cette préparation en étant le plus le plus professionnel, le plus exigeant, ce que l'on veut mettre dans cette préparation. Le lendemain, Gérard Lopez, accompagné de l'avocat Laurent Cotré et du directeur général du club Thomas Jacquemier, annonce que les Girondins ne comptent pas en rester là et vont se battre pour le maintien sportif des Marinés Blancs en Ligue 2. Donc là, nous sommes dans une situation dans laquelle nous ne sommes pas en état de cessation des paiements, puisque le seul habilité, entre parenthèses, à juger de notre état de cessation des paiements, c'est le tribunal de commerce, qui nous dit « vous n'êtes pas en état de cessation des paiements ». C'est le code de commerce, tout simplement. Et vous ne le serez pas parce que les accords que vous avez trouvés pour la saison prochaine permettent d'assurer la pérennité. Donc nous sommes comme une compagnie aérienne qui ne serait pas en état de cessation des paiements, qui ne sera pas dans la saison, mais qui est arrêtée de voler, tout simplement parce qu'on lui retire son autorisation de vol. On ne va pas s'en cacher, on a eu accès au dossier, donc savent très bien
quelle est la structure du club, la structure de coûts, la structure de revenus, la structure de fonds pour cette saison. Et c'est choquant pour tout le monde. Et donc moi, je tiens à remercier les gens qui soutiennent aujourd'hui. Non pas Gérard Lopez, ça m'est complètement égal. Franchement, pour ceux qui me connaissent, vous savez que ça m'affecte pas du tout. Moi, ce qui m'affecte aujourd'hui, c'est ça, c'est ici. Et c'est pour ça qu'on a fait la réunion ici. Et c'est ça, là. Les jours se passent et si l'avenir est de plus en plus incertain, les supporters bordelais décident de lancer une marche solidaire pour montrer que tout l'écosystème des Girondins de Bordeaux fait front à cette décision. L'incertitude est de mise et pour certains anciens, rien ne dit que le club va pouvoir se maintenir. Je suis très triste, après voilà, la marche, j'ai été aussi invité à y aller, malheureusement par rapport à mon emploi du temps et moi j'ai aussi une préparation à faire avec Pau, mais voilà, moi je sais, voilà. Je crois qu'il faut tout mettre en œuvre pour essayer de sauver ce club-là. Maintenant, est-ce que c'est pas trop tard? Ça, j'en sais rien. Le spectre d'un possible dépôt de bilan plane sur Bordeaux. Le dossier va alimenter une bonne partie du mois de juillet et des premiers signaux positifs apparaissent à la fin juillet, avec le CNOSF qui donne un avis favorable pour le maintien du club au scapulaire dans l'antre-chambre de la Ligue 1. Les Marinés Blancs ont pu obtenir un second souffle avec la vente de Sekou Mara à Southampton pour un montant de transfert estimé à 13 millions d'euros. Un premier pas qui va amener le comité exécutif de la Fédération Française de Football à valider cet avis et permettra à tout l'environnement bordelais de souffler et de préparer en quelques jours la venue de Valenciennes pour la première journée de Ligue 2. Pour Frédéric Roux, ancien gardien et vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002 avec les Girondins de Bordeaux, le plus dur commence avec un championnat qui sera loin d'être une formalité pour le club qui a fêté ses 140 ans d'existence. Là, on a eu vraiment très très peur de voir disparaître notre club de cœur. Encore une fois, heureusement que voilà, les dirigeants ont fait les efforts nécessaires. Je pense qu'aussi la vente de Sekou Mara a joué beaucoup dans la décision finale des institutions françaises. Et heureusement, j'ai envie de dire, maintenant, ça permet au club de rester à un niveau décent, j'ai envie de dire, mais en tout cas pas le niveau auquel on peut espérer. Donc je compte maintenant sur les dirigeants pour reconstruire une équipe digne de ce nom et faire les efforts nécessaires pour jouer un rôle très intéressant dans cette Ligue 2. C'est un football qui est beaucoup plus athlétique. Donc est-ce qu'aujourd'hui les Girondins de Bordeaux sont armés pour jouer un rôle intéressant dans le championnat? J'en suis pas persuadé, il va falloir s'adapter très rapidement. Le championnat débute ce samedi, donc contre déjà une belle équipe de Valenciennes. Comme vous le disiez, c'est vrai qu'il y a des grands noms dans ce championnat. Il y a des anciens grands pensionnaires de Ligue 1, je pense à Caen, je pense à Sochaux, Le Havre, Guingamp, enfin il y a des belles écuries. Et il faut tout de suite s'enlever à l'esprit que ce championnat va être très facile, au contraire. Je pense que ça va être un combat de tous les instants et si on veut jouer un rôle intéressant, il va être primordial de bien entamer cet exercice. Nous sommes le samedi 30 juillet et au Matsumit Atlantique, le parvis du stade est clairsemé de tuniques à l'effigie des Marinés Blancs. Avant de démarrer ce nouvel exercice entre soulagement et excitation, beaucoup de supporters veulent s'armer de patience avant d'entrevoir la possibilité de retrouver la Ligue 1. C'est un objectif réel du club et du président Gérard Lopez. Pour ma part, je pense qu'on doit se donner plus de temps, comme l'a fait Saint-Étienne, qui mise sur 2 ans, on va dire, pour remonter en Ligue 1. Et ça ne sera pas simple dans une Ligue 2 qui est une Ligue 2 pour moi très compétitive avec beaucoup de clubs qui sont armés et préparés. Au contraire de nous, où on aura un petit temps de retard par rapport à tout ce qui s'est passé. Moi, je pense qu'on a besoin d'une nouvelle dynamique et ça va peut-être passer par dès aujourd'hui et ce qui va en découler en tout cas. Le championnat de Ligue 2 pour nous, ça peut être réellement peut-être une bouffée d'oxygène et en tout cas, je l'espère. Et c'est vraiment un vrai soulagement et un vrai plaisir d'être ici aujourd'hui pour Bordeaux-Valenciennes. Avec près de 20 000 personnes présentes dans les gradins et une équipe juvénile, les Marinés Blancs parviennent à récolter un point contre les Valenciennois. Ces derniers ont évoqué que ce n'était pas une tâche facile d'affronter une équipe avec tout un public derrière eux. Même son de cloche pour David Guillon qui a vu un beau visage de la part de son groupe d'hommes. Cette euphorie qui les a gagnés avec le maintien dans les dernières secondes, on a vu que les spectateurs aussi étaient derrière leur équipe. Donc voilà, c'est un point qu'il a fallu aller chercher dans un contexte qui était particulier. On a senti que les garçons étaient bien dans le cadre qu'on s'était fixé. Il y a eu beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Je pense que les fondations sont là, les fondamentaux sont là, que ce soit en termes de discipline, de rigueur et puis d'état d'esprit. Maintenant, il faut bâtir autour de ça. Et je pense aussi qu'à travers ce genre de match, les garçons, les jeunes vont grandir également. Enfin, si rien n'est acquis sur le plan du mercato, rappelons que les Girondins de Bordeaux passeront une dernière fois devant la DNCG ce mardi pour valider les contrats de Johan Barbé et Ntsimba. Pour beaucoup d'anciens joueurs comme Nicolas Maurice-Belet, le cauchemar estival est bientôt un lointain souvenir.
Et le fait que le deuxième passage à DNCG, ben, ça s'est pas bien passé. Forcément, là, il y a eu de grosses inquiétudes parce que ce qui se disait aussi, c'était qu'on n'allait pas rester en national carrément, on allait passer en N3. Et d'avoir ce dénouement dans cette semaine, puis un match comme ça qui a été agréable, ben forcément, on voit les choses autrement. Et se dire que ce qui s'est passé il y a un mois, c'est du passé au final. En attendant une hypothétique remontée dans l'élite du football français, le club au scapulaire peut désormais vivre plus sereinement. Dans l'actualité également, la préparation continue pour les clubs de National 2 et c'est le cas pour Angoulême-Charente Football Club. Après une cinquième place l'année passée, les Charentais ont plein d'ambition pour cette nouvelle saison. David Giguel, l'entraîneur d'Angoulême-Charente FC, est avec nous dans LFNA TV. Bonsoir David. Salut. Première question, on est à un peu moins de 3 semaines de la reprise et la réception de Saumur. Dans un premier temps, dans quel état d'esprit vous êtes avant cette première journée ? Écoute, on est dans un état d'esprit de bosseur. On est en pleine prépa, donc on a repris depuis 4 semaines. Donc on est encore sur des contenus athlétiques assez importants. Et puis on se prépare du mieux possible pour être prêt, comme tu le dis, pour la journée 1 qui sera le 20 ici à domicile contre Saumur. On veut être prêt ce jour-là parce que ce sera important de prendre des points sur les premières journées dans ce championnat qui sera compliqué. Je suppose que vous finissez 5e la saison dernière en National 2. Quels vont être les objectifs cette saison ? De faire aussi bien et pourquoi pas accrocher la première place ? On va surtout axer les ambitions et les objectifs sur, d'une part, l'état d'esprit. Il faut qu'on garde l'état d'esprit qu'on a eu tout au long de la saison dernière. Le don de soi, le dépassement de soi, l'envie de se bouger pour le collectif, pour l'équipe, pour le club. Et puis aussi avoir des intentions dans le jeu, que ce soit au niveau défensif, pour être capable de presser ensemble, que ce soit haut ou bas, de récupérer les ballons ensemble. Et puis après avoir aussi des ambitions dans le jeu, d'oser des choses, de mettre l'équipe adverse en difficulté, de se créer des situations par du jeu collectif, par du jeu combiné, par du jeu individuel aussi, par des gars devant qui devront faire des différences individuelles aussi par le dribble, par l'appel, par le but, par la passe décisive. On est surtout dans ces objectifs-là, donc état d'esprit et jeu. Si on arrive à performer dans ces domaines-là, il n'y a pas de raison pour qu'on marque pas de points en championnat. Justement, vous avez commencé à travailler ça lors de cette intersaison, lors de cette préparation estivale. Vous l'avez fait contre Pau, contre Libourne. Comment vous jugez-vous pour l'instant la préparation à moins de 2 semaines de la reprise ? Encore une fois, on est surtout actuellement sur l'idée d'avoir des gars qui seront prêts le 20 août. Donc on a pas mal chargé sur ces 2 dernières semaines. Les matchs amicaux nous ont servi aussi pour travailler athlétiquement. On doit aussi se coordonner, que ce soit défensivement ou offensivement. On a eu quelques ajustements à la trêve, on a perdu quelques gars et des recrues sont arrivées. Donc il faut que tout le monde apprenne à se connaître sur et en dehors du terrain pour être le plus efficace possible. Lorsque la reprise sera officielle le 20 août contre Saumur. Vous parliez d'ambition dans le jeu. Les 2 matchs amicaux que j'ai vus personnellement face à Pau ou face à Libourne, même si vous étiez mené à la mi-temps face à Libourne par un gros score et face à Pau qui a été réduit à 9, vous avez montré quand même une belle image sur le terrain et une belle force de caractère, notamment contre Libourne où vous avez réussi à égaliser 4 partout à la fin du match. C'est ça aussi que vous recherchez dans cette intersaison, de voir le caractère du groupe, ça aussi c'est important. Oui, c'est ce qui a fait notre force la saison dernière. On était une vraie équipe, une vraie bande de potes sur le terrain, prêts à se donner les uns pour les autres. Là actuellement, on n'arrive pas encore à tenir sur 90 ou 95 minutes parce que les gars ne sont pas encore prêts physiquement et encore une fois, on a mis des charges d'entraînement qui étaient importantes, quelquefois même la veille des matchs.
Donc ça tient pas encore sur la durée, mais les intentions sont là. On a eu quelques bonnes phases à travers ces premiers matchs amicaux qu'on a pu vivre. Donc voilà, il faut continuer à bosser. Les volumes vont un peu baisser sur les prochaines semaines. On gardera toujours de l'intensité parce qu'il faut de l'intensité dans les entraînements si on veut mettre de l'intensité dans les matchs. Mais pour l'instant, oui, il y a eu une bonne période sur les matchs amicaux et ça laisse augurer de bonnes choses pour la suite, je pense. Qui dit ambition, forcément, dit recrutement. Il y a quelques joueurs qui sont partis. Forcément, vous avez fait une belle saison la saison dernière. Il y a des joueurs qui sont amenés à aller voir ailleurs. Vous avez recruté aussi quelques joueurs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter en quelques secondes ou est-ce que vous êtes satisfait du recrutement? Est-ce que vous avez bouclé tout ça pour la saison prochaine? Bouclé, oui. On a effectivement perdu quelques joueurs. C'est toujours un déchirement les intersaisons parce que on noue des liens avec le groupe, avec les joueurs individuellement et que ce soit le club qui décide de séparer ou le joueur qui décide de partir, c'est jamais facile. On a aussi gardé quand même pas mal d'éléments importants de la saison dernière parce que c'était aussi notre premier objectif de garder les gars qui avaient bien performé, qui avaient été bons aussi au niveau de l'état d'esprit la saison dernière. Donc on en a gardé quand même un bon paquet. Et puis on a recruté des joueurs qui nous paraissaient pouvoir coller au niveau de l'état d'esprit parce que c'est le facteur numéro un. Pour pouvoir recruter et puis qui pourrait nous amener des choses qu'on n'avait pas spécialement la saison dernière sur le terrain, que ce soit offensivement ou défensivement. Ça a l'air de bien prendre entre les anciens et les nouveaux. Ça sera aussi une des clés de la réussite, que tout le monde puisse avoir des objectifs communs sur le terrain et en dehors du terrain. Voilà, maintenant c'est la compète qui nous donnera aussi, qui sera le juge de paix, pour savoir si oui ou non on a un groupe qui vivra aussi bien que la saison dernière et qui obtiendra des résultats aussi intéressants et des contenus, encore une fois, je le rappelle, des émotions à vivre qui seront aussi sympas que la saison dernière. Vous parlez d'émotions, David. Un petit mot sur la Coupe de France. Est-ce que cette année, vous allez vous y attarder un petit peu plus? Est-ce que ça, vous aimeriez, comme tous les clubs dans tous les cas, mais franchir quelques tours pour ensuite affronter un club un peu plus huppé? On n'a pas fait exprès de perdre l'année dernière. Hein. on a perdu contre une bonne équipe de Panazol qui était certes en régional 2, mais qui pour moi avait les qualités individuelles et collectives, avec un bon entraîneur aussi, et qui a su nous piéger sur ce match-là. On sait que la Coupe de France, c'est plein d'incertitudes, c'est plein de surprises. On avait réussi les précédentes sorties à sortir de ces pièges, quelquefois avec difficulté. Donc, tous les clubs veulent aller en 32e, en 16e et rencontrer des clubs professionnels, prestigieux si possible. Maintenant, la Coupe, ça commence dès le quatrième tour et faut être à bloc dès le quatrième tour, quel que soit le niveau hiérarchique de l'adversaire, parce que maintenant, dans le football français, on travaille de mieux en mieux au niveau régional, voire même au niveau départemental. Donc il faudra faire preuve de beaucoup d'humilité, bien appréhender chaque adversaire et puis avoir un petit peu de réussite, parce que ça fait partie aussi du truc en Coupe de France. Quand tu te fais éliminer au péno, bien souvent c'est à pic ou face, et on n'a pas eu la réussite non plus contre Panazol sur cette série de tirs au but. Donc oui effectivement, on voudrait faire un beau parcours en Coupe de France pour nos supporters, pour les gens qui nous suivent, pour les acteurs financiers aussi qui sont importants, que ce soit les collectivités ou les sponsors, et puis pour notre presse qui aimerait bien aussi aller loin en Coupe de France. On va tout mettre en œuvre pour faire un beau parcours. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, David, pour cette saison à quelques jours de la reprise?
en priorité, vraiment, qu'on vive des choses humainement, qu'on s'entende bien tous. Et évidemment qu'il y aura quelquefois des heures et quelquefois des moments un peu moins simples, parce que quand on doit vivre une saison complète à 20, 25, 30 joueurs, plus le staff... c'est pas toujours simple, mais il faut toujours que les notions de respect elles existent, qu'on ait vraiment envie de vivre des choses superbes ensemble, et puis quelquefois quand ça va un peu moins bien, et ben qu'on reste solidaire, qu'on se serre les coudes, et puis qu'on puisse malgré la tempête continuer d'avancer, continuer de ramer dans le même sens tous ensemble. C'est surtout ça au niveau émotionnel, et vivre des choses extraordinaires que seul le foot peuvent nous apporter. Voilà ce que je souhaite aujourd'hui. Eh bien merci beaucoup David Jiquel, entraîneur de Angoulême Charente Football Club. Merci beaucoup, très bonne saison à vous. Merci. On rappelle que la saison de National 2 débutera le 20 août et que dans le groupe D, Angoulême-Charente FC accueillera Saumur. Le Stade Bordelais, vous le voyez, recevra l'équipe lyonnaise du Gol FC. Trélissac ira défier la réserve de Nantes. Et enfin, Bergerac-Périgord se déplacera à Vierzon. Nous connaissons les poules masculines de Régional 1, 2 et 3, ainsi que les poules féminines de Régional 1 et 2. Vous découvrez en ce moment même les trois poules de la saison prochaine en Régional 1. La première journée aura lieu le week-end du 18 septembre 2022. La Régionale 2, désormais, 7 poules vont constituer le futur championnat. Comme pour la R1, la première journée débutera le week-end du 18 septembre prochain. A noter la présence dans le groupe E de l'équipe du FC Sarlat-Marcillac, la défense la plus imperméable de France. En 22 matchs, l'équipe n'a encaissé que 5 buts. Un exploit pour ce club de Dordogne qu'on suivra bien évidemment tout au long de la saison. En R3, voici les 12 poules du championnat version 2022-2023 avec une reprise le 18 septembre. Chez les féminines, une seule poule pour la régionale 1 avec 14 formations qui se disputeront la montée dans la toute nouvelle division 3 féminine. Enfin, en Régional 2, voici les deux poules pour la saison prochaine. 12 équipes féminines dans chaque poule de l'antichambre de l'élite régionale. L'autre actualité concerne le club de Charente-Maritime, l'Étoile Maritime FC. Le club onisien basé à La Rochelle s'est vu infliger une sanction d'un huis clos pendant toute la saison, un an après les incidents à Parthenay, club des Deux-Sèvres. Le club est également suspendu de terrain durant deux matchs. Mohamed Hazard, le vice-président de l'Étoile Maritime, assure tout de même que le club de La Rochelle va survivre. Il y a des faits, franchement, des faits qui sont condamnables, des faits inadmissibles. Je parle d'un comportement de joueur. Mais par contre, les sanctions concernant les spectateurs, j'ai toujours alerté, j'ai toujours signalé qu'il y a des énergumènes qui ne veulent que du mal. Forcément, ils ne sont pas là pour supporter le club, ils sont tout simplement ici, et surtout à l'extérieur, parce qu'on n'arrive pas à les identifier, on n'est pas toujours là. Donc forcément, ils viennent pour nous nuire. Donc la sanction, une année presque à huis clos, honnêtement, sursis ou pas, ça fait très très mal. Donc malgré tous nos efforts, malgré toutes les dispositions qu'on met en place pour que les gens s'épanouissent sur les terrains, malheureusement, il y a ces individus qui viennent pourrir la vie. Donc on continuera à éduquer, on continuera à nous battre pour lutter contre toute violence. Quand on est passionné, quand on aime l'autre, On doit se battre. C'est l'appel que je fais aux éducateurs qui sont fidèles ici depuis très longtemps et aux dirigeants qui sont là aussi pour continuer à vivre. Nous partons désormais à Royan sur la plage de la Grande Conche où le FFF Tour a posé ses valises pendant deux jours pour promouvoir le beach soccer. Un sujet préparé par Clément Darbieux pour LFNA TV. Manifestation qui est organisée par la Fédé. Hein. Donc il y a une tournée donc, qui est faite sur toutes les plages qui commence pour le mois de juillet jusqu'au mois d'août. Et donc malheureusement avec le Covid, il ne s'était pas arrêté donc, sur notre région.
c'est vraiment pour la promotion du foot, du beach soccer. Mais en plus, cette année, ils ont fait d'autres manifestations, hein, d'autres séances, donc le foot en marchant, le fitness, voilà, donc beaucoup de choses pour la promotion du foot. Alors avec la participation du district, hein, où nous essayons de réunir des équipes de jeunes, de 13, de 15, de 17, et après, mais c'est surtout tous les licenciés et non licenciés peuvent venir, voilà. Donc le but, c'est de faire découvrir le foot de plage à tous les jeunes et surtout de passer de très agréables journées sur la plage de Royan. C'est une animation qui se veut conviviale. Ce n'est absolument pas de la compétition. Hein, c'est un amusement, mais c'est également de la découverte, notamment le fitness et également pour le sissifoot, hein, qu'il faudrait également que l'on encourage nous dans tous les districts de France. C'est vraiment de découverte et c'est le but et c'est surtout convivial pour ces jeunes qui sont en vacances et qui découvrent la région. Le FFF Tour, en fait, c'est la tournée en fait, fédérale pour promouvoir le beach soccer sur les territoires. Et comme on a un territoire qui s'y prête, avec naturellement des plages et naturellement une grosse dimension de football diversifié, donc le FFF Tour fait une pause chez nous chaque saison sur la plage de Royan ou sur la place de Saint-Georges-de-Didonne. La ville de Royan développe les sports de plage, fait beaucoup d'animations durant l'été. Et c'est vrai qu'en Charente-Maritime, ben, ça s'imposait un peu de prendre la ville de Royan. Alors ça commence à 10h, ça fait je crois de 10h jusqu'à midi, ça reprend de 14h. Donc avec à 16h30. Ce qui est intéressant également, c'est que tous les jeunes ont un cadeau. Ils s'inscrivent hein, sur un logiciel de la Fédé. Ils repartent tous avec un t-shirt et ils peuvent également recevoir des informations de la Fédé tout au long de l'année puisqu'ils se sont inscrits sur leur site internet. Mais l'objectif est double. Le premier objectif prioritaire, c'est de faire découvrir la pratique aux licenciés traditionnels. Et le deuxième objectif aussi, c'est que les gamins viennent se faire plaisir, que même les non-licenciés qui sont sur la plage viennent découvrir l'activité et qu'on voit ensuite tous les sports diversifiés qui puissent exister à côté de la pratique traditionnelle. Ma présence s'explique par le fait qu'on veut développer le beach soccer sur notre très grande ligue. Et à chaque fois que la FFF fait un arrêt sur les installations de nos ligues, là en l'occurrence à Royan dans le district de Charente-Maritime, on essaie d'être présent pour montrer les règles, pour montrer certaines choses plus techniques, un peu différentes du foot traditionnel, et puis aussi pour être en soutien des conseillers techniques. C'est très important pour plusieurs raisons. D'une part parce que c'est une activité très complémentaire du foot traditionnel. La deuxième, c'est aussi parce que notre équipe de France a besoin de jeunes joueurs qui s'intéressent à la pratique. Et puis les clubs ou les sections de clubs qui participent au National Beach Soccer, aux phases régionales et départementales, ont aussi une plus grande visibilité et lisibilité sur le territoire.
notre belle région si prête. On a un super littoral, même si Eric Cantona disait que et le dit toujours que le beach soccer c'est plutôt un sport de sable qu'un sport de plage. Il est quand même bien plus sympathique de pouvoir s'exprimer dans ces super territoires au bord de mer, parce qu'en plus le public est là naturellement. Et nous en fait on vient en complément de la fédération, c'est-à-dire qu'on invite les clubs de notre territoire, donc les associations à venir sur 2 jours, donc c'est des demi-journées. Donc l'idée c'est de venir inviter les clubs. On a un terrain qui nous est mis à disposition où on organise un tournoi. Donc c'est un tournoi en fait ludique et festif. Et ensuite on envoie donc les licenciés sur les ateliers encadrés par les techniciens de la FFF, les animateurs, pour découvrir les foot diversifiées. Une première partie promotionnelle est déjà en place. Merci à la FFF, merci à la LFA. Mais il reste maintenant une partie plus de compétition sur les garçons comme sur les filles, sur les jeunes comme sur les moins jeunes, de telle sorte à ce que, à terme, nous ayons un championnat, peut-être des vacances de Pâques jusqu'à la Toussaint, qui pourrait s'insérer dans nos compétitions traditionnelles. Aujourd'hui, même dans le foot traditionnel, on essaye un peu de valoriser cette notion de plaisir et amenuiser cette notion de compétition. Donc aujourd'hui, sous le FFF Tour, on ne parle pas compétition, on parle plaisir, on parle découverte, on parle gestes techniques, on parle freestyle, on parle découverte des différents footballs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, et la journée s'y prête, une journée de plaisir pour tout le monde. Du soleil, un t-shirt et un short, pas de crampons, pas de protège tibia, des règles adaptées à une pratique spectaculaire, un ciseau retourné qui est protégé. Bon, mais tout est fait pour avoir une pratique fun, sympa et spectaculaire. Partons à la découverte du club de Saint-Pantaléon de l'Arche, en Corrèze, où une section féminine a été créée en 2009. Depuis, elle ne cesse de grandir, un club plein d'ambition. Je m'appelle Philippe Cournil, je suis le président de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche depuis cette année. Le club de Saint-Pantaléon de l'Arche, c'est un club qui a à l'heure actuelle 430 licenciés, dont une centaine de filles. Il est situé, on va dire, en périphérie de Brive-la-Gaillarde. Le 17 octobre 2009, Philippe Machado a décidé de monter une section féminine parce qu'autour de nous, il y avait un club qui s'appelle la Cévarès qui avait commencé avec les féminines. Et donc, lui a ressenti un besoin de créer cette section féminine. Donc, le club a commencé gentiment à faire son petit chemin avec les féminines et a commencé ce jour-là. Le démarrage s'est fait par l'inscription de certaines filles et petit à petit, ça a pris l'ampleur et encore l'ampleur. Et puis maintenant, on se retrouve avec une section qui contient à peu près une centaine de filles. Il y a l'EFF qu'on appelle, les toutes petites. On a les 14-17, on a les 10-13, on n'a pas de 18, par contre après on a les seniors et tout, on a à peu près toutes les catégories, sauf en catégorie 18 où on n'a pas encore d'équipe à 11. Au niveau de l'équipe féminine senior, nous avons créé l'équipe il y a à peu près 3 ans. Notre objectif, c'est de bien sûr de gravir les étapes, c'est-à-dire de passer du district à la R2, voire à la R1. De toute façon, l'ADN du club et notre choix, c'est de monter les féminines au plus haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours fait l'effort de faire de la formation au niveau des féminines et je ne conçois pas aujourd'hui que le club ne monte pas à un bon niveau à partir du moment où on a voulu
travailler et former des filles pour arriver au bon niveau. Je me présente, monsieur Nifer Fabrice, j'ai 39 ans, je suis responsable de la section féminine du club de l'AS Saint-Pantaléon de l'Arche. Je suis fier d'être dans le football féminin. J'espère dans l'avenir continuer à former des futures joueuses. Nous avons déjà des joueuses qui sont intégrées des pôles espoir féminines et des joueuses qui sont à Soyou et au Girondins de Bordeaux. Nous, pour nos clubs, c'est une très grosse fierté. Donc, continuons à faire progresser nos joueuses. Et puis, pourquoi pas, petit à petit, on a un club phare dans notre région. Chaque année, nous organisons la Girly Cup. C'est un tournoi national organisé par le club qui réunit les U11, U13 féminines, les 14-15 féminines et les 16-18 féminines. Donc, c'est du football à 8. On le fait sur cette plaine ici, donc sur tous les terrains qui sont disponibles ici. Ça dure un week-end. Donc ça permet de réunir, on essaie de travailler dessus pour réunir un maximum de clubs d'un certain niveau parce que c'est un tournoi national, donc on essaie de contacter vraiment des gros clubs où il y a une structure féminine, où c'est assez important pour qu'on puisse faire vraiment un gros tournoi. Le format de la Girly Cup se passe sur plusieurs poules, donc il y a plusieurs poules qui seront faites pour pouvoir organiser le tournoi correctement et sous forme des phases finales après. Cette année, on prévoit vraiment, des bonnes équipes, on prévoit vraiment, pourquoi pas, la gagner. Cette année, ça serait bien. Le portrait de la semaine est consacré à Erwan Lanuzel, l'entraîneur de Bergerac Périgord. À seulement 33 ans, il ne cesse de progresser et d'augmenter sa cote de popularité. Je m'appelle Erwan Lanuzel, je suis entraîneur du Bergerac Périgord Football Club en National 2. Alors en fait, moi ça repart à l'époque où j'étais joueur, parce qu'il avait été nommé à 25 ans du coup coach d'une équipe première en N3. Donc dès le départ, ça m'avait un peu intrigué comment ce jeune coach pouvait arriver on va dire, à mettre en place ses idées, à entraîner une équipe de seniors à 25 ans. Je m'étais déjà à l'époque renseigné un peu dessus, sur le parcours qu'il avait eu. Et après, c'est sur le premier confinement. On a un peu discuté à propos d'un joueur qui était Romain Scarpite, qui est maintenant chez nous. On avait discuté via LinkedIn à l'époque. On avait pas mal échangé sur un peu la philosophie du projet qu'il avait en tête, ce qu'il imaginait pour son futur. Et à l'époque, il avait 31 ans, donc il était plein d'un force de l'âge. Et en discutant de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait plein d'atomes crochus au niveau du projet sportif. Et c'est comme ça qu'on en est venu à travailler ensemble par la suite. J'ai de suite apprécié l'approche qu'il a eue. Il a été hyper humble en disant qu'il ne connaissait pas le niveau, que lui il avait fréquenté les divisions d'en dessous, mais qu'il était plein d'ambition et tout. Et franchement, son discours, moi j'ai accroché direct. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça venant d'un coach et franchement, il a réussi à fédérer tout un groupe rien que sur la première intervention qu'il a faite en individuel. Donc moi, j'ai de suite accroché, j'ai hyper apprécié et vraiment après, il a pris le groupe N2 comme si ça faisait longtemps qu'il était à ce niveau-là. Quoi. Nous, on n'a vu aucune différence avec un coach qui était là depuis des années ou quoi dans le passé, mais ça s'est super bien passé. Un petit peu peut-être à l'ancienne avec Erwan, mais on est persuadé que le travail fait qu'on avance à un moment donné, mais par contre on les lâchera pas quoi, parce qu'aujourd'hui ils nous ont montré un tel niveau de performance que tous les week-ends, malheureusement ou heureusement, on les atteint à ce niveau là donc nous dans le travail on gardera cette dynamique là à eux maintenant à la maintenir, mais on n'a pas de doute sur les qualités de ce groupe. Mmh.
concentre sur les résultats. Je pense que quand on a affaire à des personnes plutôt intelligentes, en général, on va plutôt d'abord juger la compétence plutôt que de juger un âge. Je prends des exemples, que ce soit pour la couleur de peau, le sexe. Si aujourd'hui on veut des gens compétents, on va ignorer toutes ces choses-là et on va regarder avant tout la compétence. Très vite démarrer sur de la compétence quand on met en place les séances et très vite être capable d'amener tout un collectif avec soi. Donc très honnêtement, j'ai pas senti à un moment donné un regard différent du fait que je sois jeune. Ça représente beaucoup, beaucoup d'émotions, forcément. En plus, on a la chance d'être pas loin de la maison, dans le sens où quand on vient du Pays Basque, Bergerac n'est pas trop, trop loin non plus. Donc, on sait qu'on peut facilement attirer les amis, la famille, et c'est quand même agréable de jouer devant ses proches, devant un stade plein, de rencontrer une équipe quand même historique du football français. Voilà, c'est des choses qui sont, en termes d'émotion, quand on fait ce métier-là, c'est ce qu'on vient chercher. Alors on prend beaucoup de plaisir à travailler au quotidien sur les séances d'entraînement, les matchs, et c'est sûr que ces matchs-là ont une touche particulière. La suite, c'est toujours la semaine qui suit. Hein. Honnêtement, on est toujours focalisé sur la semaine qui arrive. Si on n'était pas dans cet état d'esprit, qu'on se projetait, ça serait beaucoup trop compliqué. Aujourd'hui, moi, j'essaye de maîtriser ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire, c'est notre travail au quotidien, notre travail chaque semaine. Et à la fin, on sera récompensé ou pas, mais on va travailler très fort chaque semaine pour continuer à vivre des émotions. Après, aujourd'hui, il reste 14 journées de National 2, ça fait beaucoup de 15 journées même, ça fait beaucoup de journées, beaucoup de points, une poule très homogène. J'oublie pas comment on a galéré dans certains endroits pour prendre des points. Ça a basculé dans un sens, ça peut très bien basculer dans un autre. Donc aujourd'hui, on est assez lucide sur notre première partie de saison et on essaye d'être très concentré pour prolonger cette dynamique-là. Et honnêtement, on n'a pas envie que ça s'arrête non plus. Donc on met des signaux chaque semaine aux joueurs et nous, staff, on s'impose des signaux pour pouvoir maintenir notre niveau d'exigence. C'est la fin de ce numéro de LFNA TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et YouTube LFNA TV. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.